En ce 8 mars, eh bien, c'est la journée de la femme, une date pour combattre le sexisme et faire tomber les inégalités entre hommes et femmes. Tout au long de la journée, des roses sont distribuées ici et là dans les restaurants lillois. Roses, rouges ou jaunes, le geste devient tout un symbole avec le temps. Alors qu'au travail, elles gagnent en moyenne près de 19% de moins que les hommes, qu'elles sont faiblement représentées dans le monde de la politique ou à des postes de responsabilité. Est-ce que cette journée a un sens pour elles? Est-ce qu'elles apprécient de recevoir une rose en cette journée? Eh bien, voici quelques réactions recueillies par notre journaliste Tanguy Lécluse. Ce monsieur qui donne une rose, ben c'est un symbole, c'est vrai, mais c'est sympathique. Je pense que toutes les dames qui sont ici vont apprécier. On s'aperçoit qu'on existe. Et par exemple, là, on parle des salaires, on s'aperçoit que les femmes gagnent beaucoup moins alors qu'elles travaillent énormément. Moi, j'aime pas trop la journée de la femme parce que ça a un peu tendance à nous mettre à part. Il n'y a pas de journée de l'homme, mais c'est vrai que les hommes, c'est toute l'année qu'ils ont leur journée.